Alexifoot présente 6 chapitres qui se déroulent comme une journée en fait et qui traitent de jus, du petit déjeuner, après on passe au salé. On a beaucoup de petites recettes d'accompagnement, plein d'astuces sous forme de pastilles, donc c'est assez ludique, comment confectionner des petits bols en feuilles de bananier par exemple. Et puis on finit par la note sucrée, les desserts fruités proposés sans sucre ajouté. Le terme low carb veut dire bas en glucides. On a fait ça sur à peu près un an et demi. Avant les shoots photos, on se réunissait toutes les deux pour décider des recettes qu'on allait photographier, des ambiances qu'on allait mettre en place. Quand on était en séance photo, je la laissais toujours faire seule au départ. Et puis je venais un petit peu mettre le beans, comme on dit. En général, on était très raccord sur le choix de nos photos préférées. Pourquoi le terme flexifood ? C'est flexifood parce qu'on veut s'adresser à tout le monde. Quel que soit le régime alimentaire des personnes qui liront ce livre, de partager cette alimentation saine et gourmande.